coucou YouTube, voilà. On s'était quitté avec Lynx de la Muerte. Et on devait trouver un accord pour pouvoir continuer le passage vers. Voilà, bref. Commandant Lynx, ah, vous êtes toujours en vie? Il n'y a rien ici dans cette vieille bicoque, mais vous voulez. Et pourquoi ils connaissent Lynx dans ce monde-là? Il est censé être mort. Enfin, disparu plutôt. Et donc, en fait, ils auraient été amenés dans l'autre monde. Ou dans l'autre monde, ils n'existaient pas. Ma foi. Ah, mais vous voulez un thé ou quelque chose? Ah, va-t'en, espèce de gros matou, je t'aime pas. Ah, voyons, calme-toi. Papa, il a toujours dit ça. Si ce gros chat était pas venu ici, ce serait pas le bazar. Mais pas du tout, commandant Lynx. Je l'écoutais pas, ce n'est qu'une enfant. Ah, je parlais d'un chat errant qui nous vole notre poisson. Quelle plaie, ce chat. Allez, excuse pour toi aussi. Toutes nos excuses. Oui, t'inquiète pas, je m'en balance le cul. J'en ai rien à foutre sur 20. Apparemment, non, y'a rien. Apparemment, y'a rien du tout. Y'a rien du tout. Qu'est-ce qu'il reste ici? Il reste une porte qu'on a pas fait ici. Et le mec a la statue. Ah oui, mais ici, il y avait l'histoire avec la daronne, l'autre. Avec la mame. Il voulait voir son fils. Ah, grand-mère, c'est beaucoup de soucis depuis que l'armée de Palpourri a amené son petit-fils. Elle l'aimait tellement, j'espère juste qu'il ne lui arrivera rien ici. Qu'il ne lui arrive rien jusqu'ici. Oh, mon pauvre Skelly, j'ai pris pour que tu ailles bien. Dans ce monde, on sait pas, on ne connaît pas Skelly. Oh, quelle tristesse! Voilà ce qu'on a fait de la statue de maître Ophide que je lustrais quotidiennement. Et le manoir qui était majestueux, lui aussi a disparu depuis longtemps. Rien de tout ça ne serait arrivé si le maître Ophide était ici. Oh! Commandant Lynx, c'est seulement de vous voir sain et sauf. Ah, mais alors? Pousse-toi! Bon, il fallait au manoir, j'imagine, pour aller. Pour les Gratax. Laissez passer, ça. Ah, mais attendez. Y'a pas l'histoire de l'autre qui était parti chercher les champignons aussi, là? Dans la forêt, il a dit. Zombaba? Oh, il m'a sauté dessus. Il m'a sauté dessus, l'enflure. Attention. Attaque des chars. C'est quoi sa super technique à Radius? On n'a pas regardé. Empalement. Ah déjà ça attaque qu'un personnage, c'est un peu nul. Elle est nulle aussi, je trouve. Elle tape pas fort. Peut-être qu'elle fait des magies un peu puissantes. Garde de lune, c'est de la merde. Rayon de lune. Pas le. Comment c'était déjà? Le prisme lunaire. Agite tout de suite. Non, c'est leur moon. Oh non, pas encore le truc avec les couleurs là. Je peux pas encore amener le rouge dans le rouge, le bleu dans le bleu et le machin là. Oh non, pousse-toi. Par le pouvoir du prisme lunaire. Je sais plus comment c'était ce qu'il disait. Raté. Réussia. Alexa, stop. Je crois qu'elle se met à jour. Je crois qu'elle est en train de se mettre à jour en fait. Re. Ah t'as raté, on a fait des recrutements.
On a recruté 20. On a recruté 20. Ils sont tous d'éléments de l'eau. Pas de l'eau, du... vert. Ils sont tous verts. Éléments de... Je sais pas ce que c'est. On a que les persos pareils. Et là on s'est dit, avant d'aller demander le... je sais pas quoi, là, le laisser passer, on s'est dit on va aller voir chercher le gars là pour les champignons. Parce qu'il y a un mec qui est parti chercher les champignons. On sait pas où il est passé. Mais foutez-moi la paix. Fuir. Oh non, foutez-moi la paix. Non, il y avait un coffre là-bas. Il y en a marre, Bernard. Bon, il y en a qu'un, on va le défoncer. Il y en a marre. Casser la gueule. On lui a cassé la gueule. Da da da. C'est trop là, Jean-Michel. C'est trop là. Nous, on voulait juste être tranquille. Alors là, tu vois, je me dis un peu naïvement. Je vais les attaquer comme ça, en les tuant, ils m'emmerderont pas après s'ils doivent revenir sur mes pas. Mais évidemment, je sais très bien qu'ils vont réapparaître. Et jamais ils meurent ou quoi? Ah. C'est bon, est-ce qu'on peut jouer? Merci beaucoup. Bon bah du coup on va aller récupérer le coffre là-bas parce que on n'a qu'à plus d'ennemis. Là il y a des bulles là. Vu les bulles là. Quoi? Il a sauté d'en haut, c'est ça qu'on vient de voir? Il a vraiment sauté du dessus? Oh, ça dégoûte ça. Rayon vert, c'est quoi ça, tiens? Allez Lynx, à toi de jouer. Bravo. Zdabababa. Œil de faucon. C'est quoi ça, œil de faucon? Mais non mais y a que dalle là, ça fait des bulles mais en fait y a rien. On prend pour un steak haché. Bon, on va prendre le coffre de Mour. Mitril. Oh non, me dis pas qu'il faut encore amener le truc rouge là. Ah oh, si, j'ai l'impression. Oh, j'ai l'impression. Mais non, y'a pas de monstre. Petite glace. Oh ouais, petite glace là, j'avoue. Ah, oh, mais il a le papa. Certainement pas. Ah, salut, ça vous dirait de goûter à mon ragoût? Enfin, ce n'est pas gratuit, voyons voir. Je sais, apportez-moi un champignon. Je donnerai ce trésor si vous activez... Ok. Ok. Le champipi. Alors, est-ce que vous avez vu un champignon quelque part? Est-ce que quelqu'un dans le chat a vu un champignon quelque part? Oh non, ça sera... Attendez, on va tricher. Je me mets... Comment on fait déjà? Comme ça. On fait auto. Comme ça, voilà. C'est bon, j'ai. Ça va plus vite, on fait directement de la magie. Voilà. On fait la magie. Dès que j'appuie tous les boutons, je fais n'importe quoi. C'est bon. Œil de top, œil de faucon. On sait plus comment faire tellement là, t'es merde.
Là, il y a quelque chose ici. Je pense qu'il doit y avoir un de ces... Il doit y avoir un des deux. Ouais, je pense qu'il doit y avoir un des arbres qui doit me filer l'élément. Pour que l'autre il me suive en fait. Il faut que je lui ramène, je pense, le machin rouge. Et jamais il meurt ou quoi? Faut pas déconner là! Faut pas déconner! Est-ce que ça. Est-ce que si je clique sur celui-là, il se passe quelque chose? Non. Alors, est-ce que si je clique sur celui-là. Oui, je connais cette vidéo, je pense être le seul à connaître. Ah, c'est des vidéos de vieux ça. C'est très vieux ça. À l'époque, c'était en 180p les vidéos. Hein. Non. Ah, c'est un spectacle. Le vieux sans dents. C'est lui. C'est exactement lui. Il est dans un bar, je crois. Je sais plus ce qu'il fait. Genre, bah, il est bourré, quoi, évidemment. Hein, c'est la base. Hein. Et il se colle à la caméra du mec en gueulant. On peut pas déconner. Un truc comme ça, quoi, c'était. Je me souviens plus trop. Pourtant, je pense que sur Google, vous tapez faut pas déconner vidéo, vous tombez dessus. Hein. Ok, bon, là il se passe rien. Est-ce que si maintenant je vais ici. Est-ce que par hasard. C'est marrant, les mêmes personnages, vous ne connaissez pas. Enfin, un monstre, vous ne connaissez pas. Parce que là, il y a des bulles. Je suis sûr que le champignon, on le voit pas en fait. Je suis sûr qu'il faut cliquer quelque part au pif. Non, mais ça, c'est chiant ça, qu'ils reviennent les monstres, quoi. Oh, le jeu. Dans les commentaires de la vidéo, ce mec m'a traumatisé dans toute mon enfance. Mais pourquoi ses parents ils lui mettaient pour l'endormir ou quoi le gars la vidéo? Ah tiens mon petit, je te mets YouTube pour t'endormir. Ah faut pas déconner. Voilà, je pense que lui il faut l'amener quelque part. Lui, il doit falloir le mener à l'aide. À l'aide de. Moi il m'a marqué. Ah, c'était marrant. Moi j'ai rigolé quoi. Vendre. On avait pas un truc? Poche à plan, c'était ça, c'était la poche à plan. Je remember. Pas déconner, je pense à ce type. Ah bah, c'est sûr, c'est sûr. J'ai obligé de penser à lui. Il est partout. Ils sont partout. Attends, mais peut-être qu'il veut un champignon, mais que le champignon il se trouve en fait pas ici. Non, mais c'est sûr que ce machin là. Oh. Voilà. On va faire la poche à plan ici, je le sens. Je sens que ma technique elle va fonctionner. Pas le même bruit lui. La musique de Rof, oh, je connais pas. ROH2F pas mon Dell. Pas déconner, joue pas au gros bonnet. Pas entendu, je connais pas. Ça marche pas, hein. C'est sûr que tu connais, tu iras écouter.
Moi je pense que je connais pas. C'est ça, si vous en trouvez, arrivez à un qui m'impressionne. Il veut un champignon, mais frère. Faut pas le chier ton champignon. Elle connaît, c'est sûr. C'est une thug. Je sais pas si elle connaît, hein. Pousse-toi. Ah, mais non, mais il me bloque. Et elle adore Rof. Peut-être. Ah, bon, d'accord. Bah, lui, il est là, comme ça. Ah, bah, écoute, très bien, hein. Eh bah, V. Pas, elle lit pas le chat. Elle doit être occupée. Pourquoi il a récupéré de la vie? Rien compris. Si, je pense qu'elle elle écoute, mais elle peut pas répondre, peut-être. On se bat. Oh non, ça veut dire, elle va se dire qu'est-ce que tu disais? J'étais pas là. J'ai entendu faire des fautes. Faire des photos pour Twitter. J'ai pris ma douche après mon sport. J'ai raté une attaque. Elle se montre. Attention, toi qui craignes ça. Oui, ils sont verts. Ah ouais, triste monde. Heureusement que j'ai Twitter, du coup. Zéon 2. Heureusement, j'ai Twitter. Il est où le champignon là? Il est où le champignon? Où est-ce qu'on va trouver les champignons ici? Ici on va trouver les champignons? Papa a dit qu'il avait vu quelque chose de génial, il a foncé dans cette grotte. Ah mais cette ombre chère a dégringolé, maintenant papa est piégé à l'intérieur. Oh papa! Oh papa! Impossible de le déplacer. On va des os, hein. Ton papa reste dedans. Hein. Désolé papa, hein. Iiiiou. Vous êtes sous le contrôle militaire de Balpori, personne autorisé à passer jusqu'à la fin des recherches. Des recherches de quoi? Ah, il m'est tombé dessus. Il est où le champ pipi là? Mangez-moi. FBI open up, carrément quoi. On envoie le FBI. FBI. À l'époque, je me souviens, il y avait plein de potes à moi qui kiffaient ce genre de film là. Genre le fausse blonde infiltrée et compagnie là. Moi, jamais kiffé ce genre de choses là. Un peu nulos, tu vois. J'ai jamais fait rire en fait. Lui, il kiffait tout le monde en parlait tout le temps. Ah, t'as vu le nouveau film, LOL MDR, hein.
J'ai jamais vu de ma vie. Mais je sais que... Ah! Attendez. Ah! Waouh, me voilà dehors! Ah piouf, j'ai réussi à rentrer sans problème, hein, mais je pouvais plus sortir, je l'ai sorti. Apprends ça pour ta peine, j'ai trouvé ça dans une grotte. Le champignon! A trouvé le champignon! Bah c'est un peu le même genre que, tu sais, les films genre... comment ça s'appelle, tu sais... Le mec qui drague des meufs là tout le temps, après à la fin... Sex Friends et tout là, tu sais, ce genre de film là. Ça m'a toujours ennuyé ces films. Un peu nul. Non mais pas... C'est qu'un seul ennemi ça? Ça c'est tout le monde. Il y avait un truc comme Sex Friends aussi, parce qu'à un moment ils ont sorti deux. Deux identiques. Il y en avait un avec, Mila Kunis et l'autre là, son copain. Et il y en avait eu un autre dans le même style. Je sais plus comment ça s'appelle. Ce champignon est un mets rare qu'on trouve qu'à Gardia. Je rêve ou quoi? Hein? Ce champignon est un mets rare qu'on ne trouve qu'à Gardia. Je rêve ou quoi? Ah bah ben, il est revenu. Pourquoi il dit ça? Comme si je te disais, ce Coca-Cola vient de Intermarché. Je rêve ou quoi? Bah non, mais s'il vient d'Intermarché, du coup, j'ai ben, du mal à comprendre où tu veux en venir. Tu m'affirmes un truc et derrière, t'es choqué. 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 Hé hey, allez, montre-moi ce champignon. Allez, montre-moi ton champignon. Waouh, c'est un spécimen rare qu'on ne trouve qu'à Gardia, du moins il semblerait. Ah bref, c'est un échange. Votre champignon contre mon trésor. Accepter, refuser. Ah, les filles, elle est plus là pour nous dire, donc on va dire accepter. Ah, ça a intérêt à être bon. Et là, on va le tuer. Crunch, crunch. Il fond dans la bouche. Et en même temps, sa texture ferme fait ressortir ses arômes. Ah, délicieux! Hein, c'est excellent! Bonjour, je m'appelle Todd! Ah quoi, j'ai quelque chose de la figure? Hein? Ah, Tchoum! Hein, mais enfin! Oh non! Oh, ce monstre, un monstre champignon! Mourir! Ah, comment avez-vous pu me faire ça? Ah, tout est de votre faute! Oh, on est désolé! Ah, je sais, pourquoi tu ne viens pas avec nous? Ah, la flamme brûlée devrait pouvoir te rendre ton apparence! Ah, tout ça pour recruter quelqu'un, quoi. Mais c'est exactement ce que je vais faire. Je vous poursuivrai jusqu'à l'enfer s'il le faut. Ah, ah là là, Tchoum. Ah non, Tchoum, ok, pardon. Mourir. On va laisser s'appeler comme ça, mais je pense qu'il s'appelle pas comme ça en vrai. Alors, quel élément il est, Mourir? Il est vert. Ah, il est jaune. Pas mal du jaune quand même, on en a récupéré un jaune au moins. Ah, cette flamme gelée a intérêt à vraiment l'apparence. Oh, je suis trop de présenter ma famille comme ça. Talisman forestier. Bah ça c'est un truc classique bateau comme on en avait 50 milliards non? On peut pas ranger les objets? Non. Ouais voilà ça c'est un truc. Mais alors du coup, si un mec qui est jaune, donc qui craint le vert, je lui équipe le talisman forestier qui le protège des attaques vertes. Du coup en fait c'est worse de faire ça. Je me pose la question, c'est pas une strat un peu à faire. Parce que du coup... Ah non, ou alors, pardon, ça part les changements d'état, peut-être. Protège du par noir. Protège du par blanc. Protège du par noir et protège du par blanc.
Mais par noir et par blanc, c'est... Attendez. C'est quoi par blanc et par noir? C'est pas clair, très très clair tout ça. Oh non, pas toi, pousse-toi. Pas clair, très très clair, hein. C'est vous. Allez, let's gang. Le manoir au feed. Ah, poussez-vous, c'est moi. Le commandant Chuck est arrivé, vous pouvez entrer. Oh putain, il va nous mettre un coup de pied à la tête, vous allez voir. Oh, cela doit bien faire 4 ans que j'ai quitté les hussards. Oh, comme le temps passe vite. J'étais choqué d'apprendre la mort de Dario il y a 3 ans. Et voilà maintenant que le général et les autres ont disparu. Le manoir est en ruine. Je suis décidé à mener l'enquête de mon côté, mais sans succès. Tout ce que je sais, c'est qu'un homme appelé Lynx a approché le général et l'a impliqué dans une sorte d'incident. La seule différence avec l'autre monde dont vous parlez, c'est qu'il est arrivé quelque chose au général il y a 3 ans. J'espère que ce fameux nourrice sera quelque chose. Donc Lynx... Il aurait déclenché le truc pour créer un autre monde, un truc comme ça. Ah non, soniente, je n'étais au courant de rien. Je ne trouve pas ça divertente. Rine Combri. Nous avons envoyé des hommes dans le triangle del Nido. On y aurait vu un mystérieux rayon de lumière. Il paraît aussi qu'il y a un monstre au sommet de l'île du dragon des cieux. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, le commandant Norris est au sous-sol, vous pouvez passer par ce puits. De toute façon, il n'y a que ça, hein. Pas trop le choix. Non, on va cliquer d'abord partout, regardez. Je clique. Bon, apparemment, il n'y a que dalle. Descendre, oui. Et donc, tout ça pour me ramener ici. Où on était tout à l'heure, il y a 30 secondes, et on me disait d'aller me faire foutre. Vous prenez pour un con? Prenez pour un cogno ou quoi là? On l'engage. Bah attends, c'est le jeu aussi, il me cherche. Le jeu il me cherche, hein. Je casse la gueule au jeu. Hein. C'est quoi ça? Là il y a un pont, c'est bloqué. Là il y a un tonneau. Hop, voilà le tonneau. Casque de mitril. Pas mal ça, casque de mitril, non? Coffre. Petit coffre. Casque de mitril. Voilà, pas mal, pas très mal ça. Oh non mais... Oh, vous devriez pouvoir pousser ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Ok. Ok, nounou. Moi, ouais, c'est l'échelle maintenant à la prison se trouve en juste en face du commandant. Oui, mais pousse-toi, moi je vais pousser le tonneau. Non, mais je vais pousser le tonneau. Je pousse le tonneau, je le pousse. Et je le mettais là. Il faut aller voir Chuck d'abord, apparemment. Le jeu, il me dit, va voir Chuck. Il me dit, t'as pas le choix. C'est verrouillé.
C'est verrouillé. Monsieur et Madame Yé ont une fille. Véro. Verrouillé. Faut pousser tonneau dans les orties. Ça pique ça. Coucou chouette. Comment tu vas la chouette? J'ai passé un bon week-end. Oh, la chouette elle vient à 22h40, elle dort pas encore. Incroyable. Oh, c'est Chuck. Oh commandant Lynx, c'est un plaisir de vous revoir. Il est bien rouge. Oh, comme vous pouvez le voir, le manoir est en ruine. Nous n'avons toujours aucune nouvelle du général et des autres. Nous continuons de fouiller la zone, mais il semble que la flamme jeune ne soit pas ici. Chouette est un animal nocturne. C'est pas vrai, chouette elle dort à chaque fois super tôt. Comme le Waketeux. Le fameux. Le Waketeux. Ah, êtes-vous vraiment le commandant Lynx? Et non, pas encore. Ah bah alors. Bon, si t'as passé un bon week-end, ça va, pas trop chaud. Vous avez l'air différent du commandant Lynx dont je me souviens. Ah, vous avez raison, cet homme n'est pas Lynx. Ah, vous m'excusez, monsieur, mais je ne crois pas vous connaître. Ah, je suis Radius, un hussard. Enfin, j'ai quitté l'armée il y a 4 ans. Radius, le décade d'Eva d'antan? Ah, là, dis donc. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. On ne me parle pas ce que vous me dites, monsieur, mais j'ai peine à croire que cet homme ne soit pas le commandant Lynx. Si, très chaud. Ah, tournez bien la clim sur vous, tout ça. Ah, il a l'apparence de Lynx, mais son esprit est celui de quelqu'un d'autre. Ah, voilà qui est pour le moins surprenant. Ah, libre à vous de croire ce que vous voulez. Ah, quels étaient vos rapports avec Lynx? Vous avez appris quoi que ce soit sur la disparition du général? Ah, vous deux, vous nous rendriez un fier service en nous disant ce que vous savez. Ah, très bien. Je vais vous dire ce que je sais. C'est le commandant Lynx qui s'est présenté à nous pour nous indiquer la présence de la flamme gelée à El Nido. Étant originaire du continent principal, nous doutions de son existence même. C'est ainsi qu'on m'envoya dans l'archipel d'El Nido en mission d'espionnage. Je venais de la localiser dans le manoir Ophid quand j'ai appris que le général Ophid et ses hommes la cherchaient aussi. Pensez à boire. C'est pas de l'alcool. Attends, ils cherchaient un truc qui était dans le manoir Ophid, mais le général Ophid l'a cherché déjà dans son manoir. Et le mec était pas au courant. Quand même bizarre cette histoire. J'ai fini par être appelé à Paltori et c'est alors qu'on a ordonné la disparition du général Ophid et de ses hommes ainsi que la destruction du manoir. Ce n'est que récemment que j'ai eu vent des preuves indiquant que le général et ses hommes s'étaient rendus dans la mer morte. La mer morte est un océan. Déjà, bon, il y a un problème, monsieur. Hein. Situé à l'est et entouré de coraux. Il s'appelait naguère la mer d'Éden. Mais même à cette époque, personne n'osait s'y aventurer. Nous avons inspecté le secteur en vain. Nous n'avons pas réussi à trouver d'entrée. Ah, c'est vous, commandant Lynx, qui vouliez changer ce monde faussé à l'aide de la flamme gelée. Ah, vous rêviez en grand, seigneur Lynx. Oh, silence! Ufa. En vain, Gérard. Ah, vous parlez de la mer morte? Cet océan s'appelait la mer d'Éden il y a encore 3 ans. C'est peut-être l'indice que nous cherchions. Une fois que nous aurons percé les plans de Lynx, nous devrions pouvoir les contrecarrer. Ah, mais comment allez-vous dans la mer morte? Il est impossible de s'y rendre. Avec un bateau. Regardez, ça semble savoir, rien savoir sur son sujet. Ah oui, je doute que le mur est rentré. Je suis sûr que les demi-humains de Marbule savent quelque chose. Voilà, c'est là qu'on doit aller avec des demi-humains. Ceux du continent principal en particulier. Peut-être nous fournirons-ils des indices. Ok, d'accord. En ce cas, puis-je me donner à vous? Je veux que de la vérité. Oui, ok, allez, vas-y. Allez, toi.
Qui, moi? Oh, Vinman, t'es... Je vais suivre Seigneur Lynx. L'autre n'est clairement plus lui. Un navire militaire est amarré à Tormina, ça nous en. Bravo, Chuck. Voilà, on va l'appeler Nourrice, c'est bon, on va les couiller, non, maintenant. Pas trop de personnages, ça me saoule. Ah, par contre, on va aller l'échanger contre elle. Parce qu'elle marre. Non, mais pourquoi ils m'ont renvoyé là? Non, il y avait un coffre dans l'autre truc. Casser couilles. Oh merde. Attendez. On va mettre un petit soin par là. On va mettre un petit affaiblissement. C'est ça que je veux. Je veux des pastilles. Voilà. Merde. Et ensuite, je veux... Surtension, on va le mettre là. Surtension. Ici. Surtension. On a envie de canner. Voilà, merci. Surtension. Putain, je vais pas m'énerver. Je suis calme là. Surtension. Décharge, ouais. Hop, décharge. Soulèvement. Ah, ça, on aime bien, ça. Petite secousse. On va mettre des petits trucs d'autres couleurs, par exemple du bleu. Un petit bleu, un petit rouge. Un petit rouge, là, pour la... Pour aller mieux. Un petit soin intensif, là. Ah non, mais non, ça marche pas, ça. Mais y'a trop de trucs là, y'a plus la place. Voilà, prends Buldo. Ah non, ça marche pas, Buldo. Ah, boule de feu. Voilà, allez, fais pas chier. Ah oui, mais attendez, parce que... Fais pas chier, mais lui... Lui, il a des nouveaux... des nouveaux trucs. Bon, on va lui mettre aussi tiens, tout noir, voilà, et puis on va lui mettre champ de gravité. Buldo, on est dans Pokémon. Mais oui, vous savez pas. Attendez, parce que le jeu m'amène ici. Mais est-ce que vraiment je veux aller ici? Ah, sûrement, tant pis, c'est bon. Buldo. Attaco. On va aller sur le bateau. On va pas. Il y a rien d'autre de toute façon. Rien à signaler, commandante. Ah, c'est ça le bateau? Alors tu veux dire que j'ai ça ou j'ai ça? Et les mecs ils me filent la barque, ils me filent le radeau de sauvetage. La barquette de Lu. Là, on a un bateau avec 12 canons. Et eux, ils me filent quoi? Le Zodiac. Et ils ont cru que j'allais traverser l'univers avec le Zodiac. Fou de ma gueule. Fou de ma gueule, le jeu. Attendez, là. On peut y aller, là, maintenant, du coup. À Galdov. Qu'est-ce qu'il... Le médecin, là, il y avait le médecin à Galdov.
Regardez. Médecin nul. On n'est pas le pour la sauver, c'est pas vrai. Et qui c'est qui est malade? Ah désolé, mais nous ne pouvons pas laisser entrer les membres de la famille. Que les membres de la famille. Qui c'est qui est malade? Qui c'est qui est malade? Dites-moi. Ah mais il y a peut-être l'autre là. Comment elle s'appelle la meuf? Non mais arrêtez de vouloir m'échanger des merdes, je m'en fous de vos trucs. Je peux jamais l'utiliser parce qu'il n'y a jamais de trucs pour crafter dans ce jeu de merde. C'est ça que je veux. Oui. Oui. Enfin. Enfin des nouvelles armes. Oh oui, des nouvelles armes. Le pistolet de Mithril, oui. Et il est où le papé? Le papé, qu'est-ce qu'il met le papé? Oh le papé, il a déjà le Mithril, putain, c'est parfait, ça c'est parfait, ça fait des économies. Cuirasse de Mithril. Allez, je vous en prends 3. Merci. Équipé. Le Mithril. Oh, par contre, vous rendez après, hein. Je vous le dis, hein. Ne croyez pas que... Oh, bah tiens, on l'avait pas équipé, lui. Protège des brûlures, on s'en fout. Améliore la défense magique. Prends un peu de défense magique encore. Prends ça, franchement, je m'en fous. Je m'en fous des équipements parce que le jeu, on lui roule dessus. Qu'est-ce qu'il fait lui? Bon, on va aller un peu vite parce qu'il faut qu'on aille partout. Dans ce monde-là avec la barque. Si on me dirait d'intéressant, Balek. Ok. C'est vraiment Orcha, lui il est Orca, Orcha là, il était pas dans le manoir Orphide là dans l'autre monde. C'était le cuistot, voilà, ils me racontent leur vie tous là, on s'en fout. On s'en fout. J'avoue on a un barquette quoi, putain je suis dégoûté la barquette. Non, elle fait moins étoffée que celle en ville, mais oui, ok, bah fais voir quand même, ça coûte rien. Les attaques simples réussissent à 89% temporairement. Quel est l'intérêt? Je perds un tour à faire une magie pour toucher un fou. Oh ça, ça on en prend deux. Oh ça tiens. Guérit tous les effets de statue. Oh trop bien ça, j'en prends 4. J'en prends un petit celui-là. Et celui-là j'en prends deux, j'en ai pas. Bon ça, on va quand même prendre un pour la détection. Oh ça c'est bien ça. Bouclier physique. Annule temporairement les attaques physiques ennemies. Bon c'est bien ça aussi. Je prends. Ah c'est quoi, on en prend même deux. Au cas où. Ça on a déjà, ça on a déjà. Ouais ça on a déjà mais bon. Attends, divise temporairement par deux les dégâts d'éléments. Si on le fait deux fois, est-ce que ça fait moitié 50 moins 50 ou 50 et 25? Bloque temporairement. Attends, bloquer temporairement les éléments de tout le monde. Ça c'est bien pour un ennemi qui nous fait de la magie quoi. Transfère vos effets de statut sur l'ennemi. Ah oh, ça c'est un mec qui t'envoie beaucoup de merde, c'est bien ça. C'est pas mal en vrai ce que t'as là, tu me dis ça, mais en vrai... Eh meuf. Elle nous dit que c'est... Oh, en ville il y a mieux hein. Mais non frère, en ville ils ont 100 fois moins bien. Autant te le dire tout de suite. Alors là du coup on va équiper tout ce qu'on a eu, tous nos nouveaux trucs. Revanche, transfert, ça c'est bien ça, ça je vais prendre ça. Bloquer tous les éléments, ça peut être pas mal ça. Moitié moins ça m'intéresse moins en fait. Par contre, hypergravité, voilà ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu quoi d'autre?
sais plus ce qu'on a eu déjà, j'ai déjà oublié. Ah oui, on avait eu un truc blanc qui était pas trop mal. On s'en fout. Bouclier physique, ça c'est bien ça. Ah oui, pardon, ok, oui, excuse-moi. Il faut être jaune obligatoirement. Il avait pas eu un truc vert ? Merde. Alors lui. Hop. Ok, ensuite on va mettre météorite. On a vu ça, ça on s'en foutait, on a dit. Bouclier magique, ça je peux pas le mettre du coup. Et bon, bah c'est tout, je crois. Et lui, on avait acheté quoi, seul truc noir ? Ok, bon, bah, admettons. Fragment d'étoile. Oui ? La mèvre, elle décide les îles triplettes. Les triangles appellent ici les triangles d'Anido. On peut trouver de jolies pierres en forme d'étoiles dans cette zone. Ça s'appelle les fragments d'étoiles. Même s'ils sont jolis, ces fragments ont peu de valeur, mais je crois qu'ils portent chance. Cette raison que j'en ai toujours sur moi, d'ailleurs, ce triangle d'Anido est un endroit bien étrange. En s'aventurant sous l'eau, on tombe sur une couche d'air dans laquelle on peut se déplacer comme à la surface. C'est très étonnant. Le mec, ça le choque pas plus que ça, quoi. Il s'est baladé sous l'eau, il pouvait respirer. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah tiens, tu es un ami de Korsha? Bizarre, ton visage ne me dit rien, mais pourtant je me souviens de tous ces amis qui ont passé ici. Juste devant la tête, cette maison n'est pas grande, c'est comme chez toi. Ah bon, d'accord. Il y avait quoi en bas déjà? Ah oui, il y avait la gamine qui nous volait. Je me souviens de la gamine qui vole. Il est d'accord, chat. C'est vous. Hein, qui êtes-vous? On part dans les gens sans permission. Hein, Serge? Je connais personne qui s'appelle comme ça. Bon, si vous n'avez rien d'autre à faire, partez. Bah oui, elle n'est pas dans le bon monde. Elle n'est pas dans le bon monde. Je voulais descendre en fait au milieu, mais il s'est pas arrêté. Mais putain, mais il est con. Merci. Excusez-moi, Serge. Je m'emporte. Je vais aller voir. Je vais voir ce que c'était dans mon grand frère et dans la tour d'habitation. Je vais aller voir. Ah oui, parce que d'abord il faut parler au gars qui nous. Ok, oui. Allez, vous là. Plus sympa. J'ai pour votre allure, vous n'êtes pas d'ici. Ah oui, ils veulent pas qu'on voie la chef Ten. La chef Ten. Oui, donc d'abord il faut aller là pour il faut aller payer pour prendre la tyrolienne, c'est ça? C'est ça l'histoire, je me souviens de la tyrolienne la baise. La baise, il voulait que je paye. Il voulait prendre mon argent. Tu me mets pas maintenant en premier, mais bon, oui. Bon, là, faut payer. 5 gold. On s'en fout, c'est plus qu'on faire du pognon dans ce jeu. On a beaucoup de pognon dans ce jeu. Est-ce qu'on peut t'aider? Apparemment, il veut pas que je l'aide. Oh, attendez, je pensais à un truc. Peut-être qu'il faut aller dire à l'autre qu'on a trouvé son papa. Qui s'appelle Mori maintenant.
On avait oublié, mais Mori. Attendez. Ah, Mori. Téléporteur. Il est où la Mori? Oh, on va prendre la Mori. Attendez. Sa fille, elle travaillait où? Elle dans le shop ou dans le bar? Dans le shop, je crois. Attendez. Vraiment, ils ont rien. Je suis déçu. Ah. Est-ce que c'est déjà vu quelque part? Ah bon, bah c'est tout. Déçu. Il a dit qu'il avait honte d'aller chez lui, mais quand même, je pensais qu'elle allait avoir un petit truc, quoi. Au moins un petit truc. Bon, rends-moi le vioc. Faire un petit tour en bateau. Donc dans ce monde, on a fait quoi? Ici, on n'est jamais venu. L'île dragon de la terre. Ok. Pilule, voilà, superbe. Bon, ça a accéléré. C'est moi qui mets le turbo. Enfin, sinon, le jeu, il regarde. C'est long pour se déplacer. C'est long, tu vois. Regarde. Comme ça, au moins. C'est plus rapide. Voilà, il y a un truc là-dedans, c'est sûr. Descendre dans la coulée de sable. On fait ça? Je pense pas que ce soit une bonne idée. Ah bah, d'accord. Et fais attention, il y a ça de mouvement par là. Si vous mettez l'expérience comme pied, vous pourrez pouvoir remonter à la surface. Faut finir le jeu plus vite, c'est exactement ça. C'est quoi, moi j'ai même pas peur. Ils sont fêlés ceux-là. Ah, oh, je vais les prévenir, bande d'amateurs. J'ai l'impression qu'on a rien à foutre ici, mais bon, on y est, quoi. Qu'est-ce que c'est impossible de passer à travers le travers du chemin. Ah, balle bouger et dégager le passage. Ah, il bloque. C'est impossible de déplacer, même si on était à 3. Retournons à la surface, pour le moment, il est juste attardé ici. Bande d'impatients. C'est les hommes, ça. On peut monter, là? Attendez, parce qu'il y avait un chemin de l'autre côté avec un coffre. Ah, tout va bien, j'aimerais que vous étiez fichu. Ah, donc c'est un mouvement permet d'entrer dans une coulée de sable permettant. Ok, d'accord. Ah, allons voir les dîners des hommes pour évaluer la situation, pour préparer les explosifs. On peut revenir un peu plus tard. Ah, bah au moins on a débloqué la situation. Au moins du temps. Du temps que nous on fait notre vida loca, au moins eux. Ils vont tout faire péter. Attendez quoi. Bon. Ah oui d'accord, pardon, putain j'ai fou. La 3D. Mais non, parce que c'est long, le jeu il a 30 FPS. Même pas, je crois qu'il tourne à 20 FPS le jeu. Regarde les combats. Regarde les combats au ralenti, tu vas voir. Attends, j'accélère un peu parce que c'est long. Regarde. Hein, regarde comme c'est long. Même tous les mouvements, regarde. Regarde, comme c'est long.
Regarde ça. Alors que si je mets le turbo déjà, disons qu'on a, on a le jeu qui va presque à une vitesse normale. Ce qui est plutôt pas mal du coup. Ah, il faut détruire la bombe, c'est ça? La bombinette! Oups. Bon, elle est pas. Alors, remarque ça, regarde, annule toutes les tâches. Si je lui fais ça, hop! Il crée un peu d'attaque physique du coup. De réflexion. Ah mais ça, attends, c'est physique ou magique ça du coup? Ah c'est magique je pense. Mais en fait la bombe du coup si tu... T'es obligé de la taper, mais si tu la tapes elle explose. Mithril. Bravo. Bon au moins on aura eu du mithril. Pas mal, pas très mal.